aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que j'adore parce que je le trouve juste trop mignon. Je vais vous apprendre à faire des meringues en forme de rose. Et non pas bicolore, mais tricolore. Allez, à vos poches à douille, c'est parti. Pour la meringue française, il nous faudra une douille 1M, 120 g de sucre, 60 g de blanc d'œuf et des colorants alimentaires. Pour la meringue française, on commence à battre à faible vitesse et lorsque le mélange commencera à devenir mousseux, on ajoutera alors le sucre petit à petit en augmentant aussi progressivement la vitesse. Nous allons maintenant pocher notre meringue sur un papier cuisson sur lequel j'ai déjà tracé des cercles pour m'en servir comme patron. La cuisson est terminée, nos meringues doivent pouvoir se décoller facilement du papier cuisson. Nous les avons faites là comme je les aime, croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Si vous les souhaitez un petit peu plus croustillantes, il faudra prolonger le temps de cuisson. J'espère que vous allez bien vous régaler. Pour les questions, ça se passe sous la vidéo en commentaire. J'y réponds le plus rapidement possible. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page YouTube. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos en avant-première. Je vous fais plein de bisous et à très vite dans un prochain tuto. Ciao, ciao !